Salut les bricolos et bienvenue au Canada. Okay. It's quiet. It's quiet. This is it. À l'origine, je devais rencontrer Jeff Mack pour faire une mini-interview filmée, mais malheureusement, quand je suis venu, il n'était pas là, donc j'ai simplement envoyé toutes mes questions par mail. Il m'a répondu très rapidement et je tiens vraiment à le remercier pour cela. Du coup, je vais vous faire un petit résumé des questions que j'ai reçues. Jeff Mack est donc canadien, il a tout appris sur le tas sans aucune formation, et ça c'est plutôt impressionnant quand on voit la qualité du boulot qu'il fait lui et son équipe. Il a fondé son entreprise il y a environ 6 ans et demi. À la base, il travaillait essentiellement l'acier. Je lui ai posé quelques questions sur l'engouement énorme autour de la résine. Il m'a dit que ça a commencé au Canada autour de 2017. Il a d'ailleurs été parmi les tout premiers à fabriquer des River Table. Et pour finir, la question ultime, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer dans ce genre de fabrication? Je vous laisse la réponse telle quelle. Je suggérerais que vous pratiquiez et deveniez vraiment bon dans une compétence et un style de mobilier spécifique. Il est difficile d'être bon dans de nombreux styles différents, donc si vous en trouvez un que vous aimez, maîtrisez-le à fond, concentrez-vous sur ce style-là et devenez connu pour cela. Voilà exactement le genre de mentalité que j'affectionne particulièrement. Encore merci à lui pour son temps et l'accueil ultra chaleureux de son équipe lors de ma venue. Je vous laisse avec la suite de mon voyage pour ceux que ça intéresse, vous allez en prendre plein les yeux.
Que dire de ce voyage? C'était absolument génial, évidemment. La visite dans l'atelier de Jeff Mack, c'était super inspirant, super motivant. J'en ai profité parce que vous avez vu, il a une boutique, une sacrée boutique d'ailleurs. J'ai acheté des pigments de chez Ecopoxy qu'on ne trouve pas en France d'ailleurs. Donc sachez que vous pouvez quand même les acheter sur son site. C'est pas hyper intéressant parce qu'évidemment les frais de port coûtent plus cher que le prix du pigment. Donc pour les pigments, moi j'ai choisi du vert émeraude, du bleu océan, la couleur rouge Firetruck et Americana, c'est un rouge un peu plus nuancé. Donc évidemment il va y avoir beaucoup d'époxy à venir, donc si ça vous plaît, vous êtes au bon endroit. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. D'ici là, bon courage pour la rentrée et à bientôt.